Yahoo Dibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo ouverture de colis donc des éditions Meian. Je t'en avais parlé lors de ma vidéo pile à lire pour le mois de février où je t'avais dit que je voulais demander donc les deux premiers tomes du manga Nos différences sont lacées, tout simplement parce que du coup j'avais lu l'extrait il y a un petit moment de ça et j'avais adoré. Enfin, plus que adoré, hein, parce que sinon j'aurais pas demandé. Et donc j'ai demandé les deux premiers tomes, et en plus, dans le mail, quand la personne a accepté, enfin la personne qui gère, a accepté du coup de m'envoyer les deux tomes de Différences enlacées, m'a prévenu qu'elle m'avait rajouté deux tomes d'un autre manga. Je te laisserai découvrir ça dans la vidéo. Mais voilà, donc voici le petit colis et donc on va ouvrir ça ensemble. Si jamais maintenant j'ai décidé que, vu que souvent j'achète maintenant beaucoup de nouveaux vêtements, avant c'était beaucoup de vêtements que j'avais depuis des années, je vous mets maintenant mes tenues, ce que je porte, dans la barre d'infos. Voilà. Comme ça, il n'y a pas besoin de me poser la question, etc. Bref, toujours est-il. Donc j'avais déjà préouvert le colis tout simplement pour que ce soit un peu plus rapide, même si je n'ai pas pensé à prendre mon ciseau. On adore. Ah, il y a un marque-page, cool. J'espère que c'est... Oui, c'est sur Nos différences enlacées. Oh, trop mignon. Je crois que c'est la couverture du tome 1 et de l'autre côté la couverture du tome 2, si je dis pas de bêtises. Et donc ça, le tome 3 sortirait en mars, si tout va bien. Fin mars, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Alors, voilà, les petits mangas. C'est bon, j'ai trouvé où était le scotch. Alors, ta-ta-la. Ah oui, il y a une différence de taille. Ouh, ils sont plus grands. Mais je les avais aperçus après, donc il me semblait qu'ils étaient plus grands, mais je ne m'en rappelais pas. Donc, le tome 1 de Nos différences enlacées. Voilà. Je vais te montrer la qualité de dessin. Et c'est un Yuri. Alors après, quel genre de... Est-ce que c'est Shoujo Ai ou Yuri réellement? Ça, je ne sais pas encore. Mais il me semble qu'il y avait une relation charnelle entre les personnages. En tout cas, qu'on nous disait. Je ne sais plus parce que ça fait un petit moment. Je vais te vérifier de quand il date. Il n'y a pas la page avec les... Si, voilà. Tout loulou, loulou, loulou. 2021, oui, d'accord. Non, mais je voudrais la date, le mois. Il n'y a pas le mois de noter? Bon, apparemment, je vois pas le mois de noter. Juste que ça a commencé en 2019 au Japon et ça a été édité en France en 2021. Mais ça fait un petit moment quand même que j'avais lu l'extrait, donc je m'en rappelle plus trop en détail. Je me rappelle juste qu'il fallait à ce moment, du coup, que je commande, que je le demande pour la collab pour le mois de février parce que je voulais le présenter pour la Saint-Valentin. Voilà. Et que je voulais surtout lire les deux premiers tomes. Ouais, voilà. En fait, on sait voilà, que les deux personnages ont couché ensemble parce qu'il y a cette scène-là et autres. Mais c'est tout, pour l'instant, en tout cas, sur le premier chapitre. Voilà. Donc, le tome 1. Le tome 2, qui m'a fait penser que peut-être que dans un volume, on avait une histoire et dans un autre volume, on avait une autre histoire parce que les deux personnages ne sont pas les mêmes. Alors après, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne pour l'instant, mais de toute façon, je te présente ce manga très très vite parce que je vais te présenter la semaine prochaine techniquement, si je dis pas de bêtises. Il y a le hibi du montage qui va corriger. Et ensuite, donc, de toute façon, hein, les éditions Meian sont au courant, forcément, mais je pense que tu te doutes aussi, il y a un manga, alors tous ceux qui proposent, il y a LE manga que j'attendais le plus l'an dernier, quand j'ai vu l'animé, et donc j'ai fait l'animé, et là je fais le manga, donc je pense que ça t'aide un petit peu. C'est le manga Kuma Kuma Beer, donc on m'a envoyé les tomes 3 et 4, j'ai trouvé ça trop mignon qu'on me les ait envoyés en plus, alors j'avais pas demandé. Parce que moi de base en fait, j'avais lu les tomes 1 et 2, et je pensais pas acheter ou demander, peu importe la version, mais je pensais pas m'y intéresser avant qu'on soit, par exemple, en admettant le volume 6, reprend le dernier épisode de l'animé, je comptais demander directement, par exemple, du tome 3 au tome 6, en admettant que ça soit donc le dernier tome par rapport à l'animé, d'un coup pour rattraper ce qui se passe dans l'animé en faisant une seule lecture, et après, du coup, lire au fur et à mesure 2 ou 3 volumes, enfin, tu vois, assez régulièrement, pour présenter la série après l'animé. Mais ça ne me dérange pas, donc je lirai les tomes 3 et 4 prochainement. Je vais essayer de les présenter de toute façon dans le mois de février, parce que moi c'est quelque chose, et je le redis, personne ne m'impose. Mais c'est dans moi ce que je propose aux maisons d'édition,
du moment où je reçois un manga, je me laisse un mois pour faire la vidéo, après le post Instagram, les trucs sur TikTok, etc., etc. Mais voilà. Donc ça, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus, si jamais. Donc c'est tout en ce qui concerne ce petit colis. Je suis très content parce qu'en plus Kuma Kuma Beer, bah voilà, franchement, ce titre-là, c'est juste une tuerie pour moi. J'ai eu un coup de foudre, très clairement un coup de foudre. Voilà, pour ces titres. Et ça, j'avais trop trop hâte de les lire. Donc je vais m'y plonger. Pas ce soir, mais je pense que demain. Ou voilà, très très rapidement. Parce que de toute façon, il faut aussi que je fasse la vidéo très très rapidement. Voilà. Le jour où je fais, moi, on est encore jeudi. Et toi, tu verras la vidéo dimanche. Mais voilà. Donc cette petite vidéo ouverture de colis en collab avec les éditions Meian est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente, on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Je te mets comme d'hab ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, mon compte Vinted. À savoir juste que j'ai créé récemment un nouveau compte TikTok. J'en ai trois maintenant, donc je te laisserai aller voir dans la barre d'infos. Ici, tu as ma précédente vidéo Meian et la playlist Meian. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt!